La signature du contrat de Rodrigo, c'est toujours particulier parce que c'est le dernier à signer chaque saison. C'est le dernier qui signe. Il n'est jamais inquiet, moi non plus d'ailleurs. C'est une tradition depuis quelques années. On dirait pourquoi prolonger Rodrigo une année supplémentaire. La réponse elle est simple, c'est qu'il se sent en état de jouer et encore en capacité d'évoluer dans le rugby professionnel. Ça fait, je crois, 18 ans qu'il est au club. Bon, il y a une confiance entre nous. Et s'il estime être en capacité, moi, je lui fais confiance. Et je pense qu'il nous rendra encore de bons services la saison prochaine. C'est un garçon qui a effectué toute sa carrière professionnelle au club. C'est très rare dans le rugby professionnel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples dans d'autres clubs identiques à celui-ci. C'est vrai que c'est un joueur, sans faire de favoritisme, hein, mais c'est un joueur qui pour moi est un petit peu différent et qui mérite d'être traité de façon singulière. Je suis très, très content et très fier de pouvoir continuer cette aventure dans mon club, parce que bon, je le considère comme mon club. J'ai fait toute ma carrière ici, ma vie ici. Et Castres, et comme club, et Castreville, voilà, il m'a tout donné. Il m'a forgé comme homme, il m'a donné la possibilité de créer une famille. Et voilà, je me sens chez moi et je suis encore... Et comme je vous dis, je suis très fier et très content de pouvoir continuer à jouer parce que je sens que j'ai encore beaucoup à apporter au club et c'est ça mon but.